Bonjour tout le monde, bonjour à toutes et à tous. Alors, aujourd'hui, changement de catégorie. Je me suis dit j'allais essayer, juste pour le fun, un jeu qui avait été mis dans le Gold il y a, à mon avis, il y a un petit peu plus d'un an que j'avais récupéré. C'est FIA European Truck Championship. Donc, une course de camion, mais en mode de simulation. On n'est pas sur de l'arcade, hein. On est toujours sur de la simulation. Là, on va partir sur une course à Misano, donc en Italie. Circuit de 4 km 226 au volant d'un Iveco. Donc voilà, c'est parti pour le replay. Alors ça c'est juste pour le fun. C'est la première fois que j'essaye ce type de jeu. Alors normalement je joue dans cette vue-là. Que je vais pas vous laisser pour toute la course. Il n'y a que 3 tours, hein, donc il y a des bas. Mais on va se mettre sur une vue d'ensemble. Donc voilà l'Iveco, hein, le petit jaune. Alors c'est très difficile, contrairement à ce qu'on peut croire. On a tendance à facilement perdre l'arrière. J'ai quand même recommencé 3 fois la course avant de réussir à faire quelque chose de correct. On est en mode facile, très clairement parce que j'ai essayé en mode normal. Oui, le mieux que j'ai réussi à finir, c'était quatrième en normal. Donc là, je me suis dit, bon, pour faire une petite vidéo de prise en main pour la première fois, je me suis dit, tiens, on va plutôt se mettre en mode facile, histoire de faire quelque chose de soft. Donc si après je perdure sur essayer de faire des vidéos sur ce jeu, j'essaierai de repasser en mode normal, histoire d'avoir un truc un peu péchu et un peu plus dur quand j'aurai plus la main là-dessus. Ah oui, d'ailleurs je suis en automatique aussi. Celui-ci, je crois qu'il avait 8 vitesses ou un truc comme ça. Le mer, il plafonne à 160 km/h, ce qui est déjà énorme. Parce que aller freiner un camion quand il est lancé à 160 km/h, quand on voit le poids du bousin, bah, c'est pas évident du tout. D'ailleurs, à savoir, alors petite chose que je ne connaissais pas, que je ne savais pas évidemment. Il faut dire que en même temps, je crois que j'ai dû regarder une fois dans ma vie des courses de camion. Il faut. Enfin, on a une espèce de bocal dans le camion qui est relié au frein. Et il faut penser à, en fait, arroser les freins. Avec de l'eau. Pour éviter les surchauffes. Donc si on veut que ces freins fonctionnent correctement, il faut bien maîtriser l'arrosage des freins, parce qu'évidemment le bocal, comme en course, bah, il est à quantité limitée. Donc on peut pas tout vider d'un coup et ça se re-remplit derrière, pas du tout. On a une jauge et du coup il faut qu'on fasse attention. Là par exemple il n'y a que 3 tours, donc sur les 3 tours, il faut que je m'en serve pour refroidir les freins, disons dans les virages les plus serrés, enfin ceux où j'arrive en fait avec le plus de vitesse et où je vais avoir le plus de freins. Donc voilà, ça c'était une spécificité que je ne connaissais pas, l'arrosage des freins pour éviter la surchauffe. Alors le jeu date un peu, j'ai plus la date exacte de sa sortie, mais dans le Gold il y a quelques temps, enfin je vous ai dit, hein, il y a un peu plus d'un an, donc il date quand même. Ce qui fait que bon, la qualité graphique est un petit peu pauvre, même si bon c'est pas horrible, mais on note quand même beaucoup d'aliasing, c'est pas ce que j'ai vu le plus jeu. Mais à côté de ça, c'est surtout pour le côté. Là, vous voyez, j'ai dépassé un camion.
coup, il y a mon aspi derrière moi. Et ça rigole pas, quoi. C'est du serré-serré. Et là, j'avoue que même en facile, j'ai eu du mal. Rigolez pas. Bon, bah lui, il a tiré tout droit. Hein. Ça va. Il avait peut-être plus d'ailleurs d'eau pour arroser ses freins. Tiens, mon bac à sable. On était parti bon dernier, deuxième, et là je vais m'évertuer à rattraper le premier. Mais c'est dommage, on a quand même beaucoup d'aliasing dans le jeu, ce qui rend. Ce qui pique un petit peu les yeux, comme Guillaume. Et puis là, un petit peu trop sombre en fait. Hein, c'est une vision. Alors peut-être pour masquer quelques imperfections aussi. On va pas dire. Là, je vais remettre un petit coup en cabine. Voilà. Donc là vous pouvez voir, hein, j'ai eu un contact sur le premier tour tout à l'heure. On voit sur la droite le pare-brise légèrement effiloché. C'est plutôt pas mal. On voit que les dégâts sont. Et là, quatrième, 161 km/h. Je plafonne à 161 mal, il n'y a que 4 vitesses, c'est le camion précédent du coup. Je vais réussir mon intérieur et sans toucher. C'est pas assez short. Allez, hop. On va se remettre comme ça. Alors comme vous pouvez le constater, hein, j'ai beau être en mode facile, je ne sème pas le concurrent que je viens juste de doubler. Alors c'est une simu, c'est vrai que c'est assez rare sur console pour être noté. Je trouve que les camions par contre sont très bien détaillés, c'est tout joli. Le boulot est quand même bien fait. Et j'avoue que c'est plutôt plaisant. Pas évident comme jeu. Tu verras si vraiment j'arrive à accrocher, j'essaierai de vous faire quelques autres courses un petit peu plus tard. On verra selon si vraiment je m'amuse dessus. Putain, c'est toujours ça, ça reste de s'amuser. Ça sert à rien. Alors j'en profite hein, comme c'est on va valider ça. Hop, comme c'est la première vidéo, alors, vous voyez, il y a une carrière. Donc là on était en course rapide, il y a un championnat, on peut faire du contrôle à montre, c'est de la compétition. Compétition hebdomadaire apparemment. Il y a un multijoueur. Donc en écran splitté, ça c'est plutôt sympa, parce que au moins ça veut dire qu'on peut jouer avec un pote à la maison. C'est pas dans tous les jeux, donc c'est bien de souligner. On a des courses rapides et on peut créer du coup sa propre course. En extra, on a un showroom, des options, les statistiques, les crédits. Showroom, bah voilà, ça c'est les pilotes. On peut voir le camion qu'ils ont. Donc ça c'est pas mal aussi. Les camions qui ont des sacrés gueules, c'est impressionnant. Voilà, moi j'avais pris le pilote André Kursim, numéro 11 sur un Iveco. Alors, j'ai l'impression qu'on n'a pas toutes les. Ils ont peut-être pas eu toutes les marques, parce que je me demande s'il n'y a pas que Iveco où on voit la marque de noter. On voit beaucoup de publicité à l'intérieur, mais peu de marques, tandis que bah, c'est très étonnant parce que sur la pochette et sur la présentation vous voyez marqué Mercedes, etc. Donc là j'ai un peu l'impression que, vous voyez là, sur la photo du mode carrière, on voit bien que c'est un Mercos, hein, on voit le sigle, mais que là j'en ai pas vu, donc je sais pas, parce qu'ils ont pas pu les représenter à l'intérieur du jeu. Je vous en dirai plus si je fais d'autres vidéos.
Voili voilou. Bah écoutez, je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée et je vous dis à plus tard. Ciao ciao.